Je représente l'association de la Compagnie du Feu et je suis très fière de la représenter, cette association qui œuvre depuis 33 ans à la restauration de cet édifice absolument exceptionnel. Nous sommes sur le fort de la Conchée, situé à 3 milles au large dans la baie de Saint-Malo. Ce fort a été construit au XVIIe siècle par Vauban. Il le considérait comme absolument exceptionnel, il le considérait comme son chef-d'œuvre. Il écrivait au roi, à Louis XIV, le fort de la Conchée sera ci-après la plus belle forteresse du royaume, la plus petite mais la mieux entendue, comme elle aura été la plus difficile à bâtir, car jamais ouvrage ne le fut tant. Je confirme en toute objectivité, c'est un édifice exceptionnel. Ce fort est absolument remarquable puisqu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est un fort militaire qu'Vauban aurait pu avoir un souci d'esthétique moindre, alors que c'est tout l'inverse. Ses salles de tir sont absolument exceptionnelles, ses voûtes tors sont remarquables de par leur réalisation et cette harmonie qu'on retrouve sur les dallages. On aurait pu très bien imaginer que ce fort soit en terre battue et d'une grande simplicité, ce qui est absolument l'inverse dans cette réalisation. Donc depuis 33 ans, la Compagnie du Fort de la Conchée œuvre avec toujours la même ferveur à la reconstruction de cet édifice exceptionnel. Donc au fil des années, les six logis vont être reconstruits. On travaille évidemment sur tous les remparts qui ont été terriblement endommagés. Les salles de tir sont partiellement restaurées, mais elles n'ont pas été abîmées pendant la guerre, mais elles ont besoin d'une restauration. Et un gros morceau est à réaliser, c'est ce qu'on appelle l'entrée, le massif sud, qui est ce trou béant qu'on aperçoit sur les photos. Reste un gros projet à réaliser, la reconstruction du boulevard de défense juste à l'entrée. C'est un ouvrage extrêmement important et si on n'arrive pas à le reconstruire, on a l'impression que le fort sera amputé d'une partie de son architecture. Ce boulevard a un vrai intérêt architectural. Esthétiquement parlant, il est absolument extraordinaire, mais aussi il aura l'intérêt de nous faciliter terriblement l'accostage. Cette restauration est particulièrement complexe par le fait de la situation de ce fort en pleine mer. L'accès est compliqué, maritimement, il dépend des conditions de la météorologie, ce qui n'est pas toujours simple dans la baie de Saint-Malo. Il faut approvisionner ce fort par héliportage, ça reste le moyen le plus rationnel d'approvisionner ces tonnes de matériaux et de matériaux qu'il faut amener sur le fort. Et enfin, les conditions de travail qui sont particulièrement difficiles sur ce fort et on a des ouvriers absolument fabuleux qui participent largement, enfin sans eux d'ailleurs on ne serait rien, à cette restauration exceptionnelle. Ils sont ravis de travailler sur ce fort, même si les conditions de travail et de vie sont très difficiles. Enfin, un grand merci à la Fondation Dassault, à la Fondation Mérimée. Nous sommes très honorés d'avoir été récompensés par ces institutions prestigieuses. Merci aussi au jury d'avoir accueilli notre projet avec tant de bienveillance.